Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez bien compris la vidéo précédente. Ce monde est vraiment bizarre, il y a des trucs qui se passent. Et moi, j'ai besoin de vous expliquer ça. Oui, je vais vous expliquer. Certains vont appeler cela des révélations. Mais moi, je dois vous dire, faites attention. Ce monde dans lequel nous sommes paraît beau. Mais ce qui se trouve derrière, ça donne froid dans le dos. Il y a vu des gens courir aller dans la maison de Dieu pour chercher des solutions là-bas. Croyant trouver Dieu, ils ont trouvé le diable. Et beaucoup se sont posé la question, mais comment c'est possible? Comment le diable peut-il être encore à l'église? Non, c'est pas possible. Parce que ces gens-là, dans le passé, on regardait des films où on voyait des gens prendre une croix et chasser les démons. Mes frères et sœurs, moi je ne suis pas ici pour vous mentir. Il n'y a pas de temps. Il faut que je vous dise ce que vous devez savoir. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Le diable, lui aussi, il chasse les démons. Oui. Le diable chasse les démons. Il a l'église et il chasse les démons. Oui. Et quand vous voyez ça, vous pensez que c'est un vrai homme de Dieu ou bien c'est un vrai pasteur. Ah bon, d'accord. Le diable, il chante bien. Si tu aimes beaucoup les filles de l'église qui chantent dans la chorale, tu veux trouver le diable là-bas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes pensent que l'église aujourd'hui, comme ce que l'on voit dans ce monde, regardez, comme ce qu'on voit dans ce monde, là, parce que l'église avec le bâtiment, avec les gens qui sont à l'intérieur, ça représente vraiment un endroit paradisiaque. C'est-à-dire un endroit où tu vas venir trouver la paix. Non, non, non. Vraiment, je me suis beaucoup baladé, mais ce n'est plus possible. À un moment donné, les gens ont commencé à prier à la maison. Oui. Parce que c'est devenu autre chose. Parfois, ce sont les confréries des sorcelleries qui sont carrément là. Tu vois une église, tu penses que c'est une vraie église, mais c'est une église de sorciers. Mais quand tu arrives là, tu vois des gens qui prient. Même qui prient plus que nous-mêmes. Oui. Ces gens-là sont chauds dans la prière. Et puis ils nous montrent ça même. Ils nous montrent ça même vis-à-vis matin bonnet là. À midi chaud, ils nous montrent ça. Mais au fond, dans leur esprit, c'est le diable qui est là. C'est le diable qui est là. Moi, au départ, moi, je ne savais pas. Hein? Moi, je ne savais pas. Ah! J'ai rencontré une personne. Cette personne parle de Dieu. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que non, Dieu arrive même. Vous avez l'impression que vraiment Dieu existe encore, même plus que ce que vous pensez. Mais j'ai été grandement surpris de savoir que cette personne m'a attaqué dans la sorcellerie. La personne qui parle de Dieu, qui prie même plus que moi, cette personne qui est venue m'attaquer dans la sorcellerie. Je l'ai vu, il dit, mais pourquoi tu me déçois comme ça? Il dit, mais pourquoi tu me déçois? Toi que je respecte, parce que je me dis que tu pries bien, même à l'église tu chantes, tu donnes de bonnes images aux gens. Comment se fait-il que toi tu veux m'attaquer avec l'arme du diable qui est la sorcellerie? Comment c'est possible? Depuis ce jour-là, moi je me suis dit non, je ne dois plus faire confiance à quelqu'un. Même si voit quelqu'un qui prie, comment? Non,
il a cherché au fond d'abord. Il a cherché à savoir qu'est-ce qui se cache dans son esprit. Vous savez, tu peux être mince et puis porter un habit gros. Tout le monde pense que tu es un gros. Mon fond, nothing, rien, il n'y a rien. Oui. Donc, moi, je vais voir l'intérieur d'abord. C'est-à-dire, voir ton état d'âme. Parce que ton état d'âme, c'est ton état d'âme. Ton état d'esprit, c'est ton état d'esprit. Il n'y a rien à changer. Donc, je vais prier pour que Dieu me montre qui tu es. Pour que je ne me trompe pas. Ah! Je croyais trouver Dieu à l'église, j'ai trouvé le diable là-bas. Et le diable chasse les démons. Il faut le voir de sauter. Même pour chasser les démons là. Il faut le voir de sauter. Je chasse les démons. Démons sort. Il faut le voir même le diable en train de discuter avec une personne qui est soi-disant possédée. Et le diable parle à la personne. Et puis le diable lui dit, qui t'a possédé? Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom aujourd'hui là, sinon affaire là-bas fini. Affaire là-bas fini. Dis-moi, tu as me dit ton nom. Le diable qui parle avec le diable. Un démon qui. Le diable est censé être un démon à la base, non? Oui. Mais comment un démon peut-il venir encore parler à un démon? Tout ça, c'est pour vous dire de ne pas vous laisser distraire. Si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, découvrir la vérité toi-même, c'est pour toi qu'il s'en va. Le diable. Il se cache à l'église. Il est même assis à l'église. Je l'ai dit, il est popo dipo là-bas. Partout, hein. Là où on dit que Dieu est censé être là, là. C'est là-bas le diable va chercher à entrer. Si tu es tombé sur un vrai pasteur, vraiment, il faut dire Dieu merci. Mais je suis dit, il n'y a peut-être pas. Non. Sinon, sur 1000, je peux te dire peut-être une personne qui a la crainte de Dieu et qui fait son effort. Le système est miné, c'est miné. C'est miné. Toi, tu as des problèmes, tu vas à l'église chercher des solutions. Mais tu arrives là-bas, tu donnes plus de problèmes que ce que tu es venu chercher. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Si tu ne sais pas que le diable chasse les démons, moi je te dis aujourd'hui. Que le diable aussi chasse les démons. Ce que vous voyez dans les films, comme je vous l'ai dit là, les gens prennent les croix et puis ils mettent ça devant les démons pour dire oh, démon va partir et puis démon parle. Ça là, ce sont les histoires. Il y a des symboles occultes qui existent et devant ces symboles là, les démons s'obéissent. Mais c'est pour un temps parce qu'ils vont partir, mais ils vont revenir après. C'est comme tu lui dis, écoute. Va en vacances et puis après faut revenir. Ou bien on a te posé quoi, on a dit pour un congé de maternité, après le congé de maternité tu reviens. Oui, il faut que je vous dise vraiment ça pour que les gens qui ne savent pas encore que le diable chasse les démons puissent comprendre. Le diable chasse les démons, le diable chasse les démons, c'est pas de la blague, ce sont pas des histoires. Mes frères et sœurs, méfiez-vous, hein, méfiez-vous beaucoup de choses de ce monde. Il y a trop de choses dans ce monde. Il faut que quelqu'un vous explique ça. Méfiez-vous. Le diable chasse les démons aussi. Méfiez-vous. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas distraire. Lisez la parole de Dieu et découvrez ce que vous devez découvrir. Le diable, c'est quelqu'un qui peut se déguiser. Un ange de lumière aussi. À bon attendeur, saloum Teyo. C'est parti pour la prochaine vidéo. Tu n'as pas abonné, t'abonnes, c'est actif parce que je vais te parler encore des choses, d'autres choses encore qui vont venir. Sois prêt.